Hello, everybody. Happy Black Friday. Today is Friday. Yay! It's Friday. Weekend. You see, I'm doing my walking really good to exercise in the morning. It is really good. Like, Hello. Diamond, she's here waiting for you guys. I hope you're okay. I hope from Monday until now everything went well for you. Coucou tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez tous bien, par la grâce de Dieu. Et j'espère que cette semaine a été vraiment super pour vous. De lundi jusqu'à maintenant, tout s'est bien passé. Voilà. Super. Regardez, le temps, il est là, il fait beau. Les gens qui disent qu'il pleut tout le temps en Angleterre, là. Hein? Vous avez vu le soleil? Vous avez vu le ciel? Il est magnifique. Vous avez vu? So, guys, most of you say that it's always raining in the UK. You see, we have some good time here. The sun shines out, it's warm, we enjoy it. I'm doing my exercise morning, you know, as usual. good morning, everybody. Good morning. Thank you for joining me. Bonjour. Bonjour, oui, Diamond. Oui, c'est moi. Bonjour, Pasteur Sandrine Renaud. J'espère que vous allez bien. Hello, everybody. Hello. Join me. I'm so happy today. Not because it's Friday. I'm happy because it's Friday, definitely. I'm really happy. Je suis content. Pas parce que seulement que c'est vendredi, hein, que c'est le week-end. Non, je suis contente. Je suis dans la joie. I'm so excited. You know? Look at my beautiful nose. Hello, guys. Hello. I hope you're okay, guys. So, this is me this morning, Friday. I'm enjoying walking down the street. Drop my son to school. I got grace and doing my exercise for my knee, you know. So guys, I'm not gonna wait too long. It's just a quick video to say again, you know, those ones who been following me and knows that I'm gonna talk about, you know. I just want to say again, and I won't stop say again, a big thank you. I won't stop, because guys, you have answered my cry, you have answered my help, you have answered me by your help, by your support, and I know you're still doing it, and don't stop. Je dis, guys, je disais que vraiment un grand merci à vous tous, guys, d'avoir répondu à mon appel, à votre aide, à votre support. Et je sais que vous continuez à le faire. Et ne baissez pas les bras parce que ça me va droit au cœur. J'ai mis... avec ma mère spirituelle, avec mon pasteur, on a mis des photos qu'on a reçues de là-bas, d'Haïti. Ce pasteur Samuel Matelus, si tu es là, je voulais dire un grand merci. I just want to say a big, big thank you to this pastor in Cap Haitian. We call it OCAP in Creole. To this pastor Samuel Metellis.
he knows the kids. He knows the kids. And he sent us some pictures, some videos, and we see the joy, the happiness in the children's faces. And I was so rejoicing because I saw them, they are happy. I saw them so loving, the way they were singing with joy, with peace, you know. He has some this good idea, though I'm going to translate in French very soon. He has this good idea. He say, I'm sending you guys this picture, this video, those videos to tell you, you know, we decided for 5 days, we're going to do a retreat for the kids. Okay, so the kids, they are so scared, they are so traumatized with the earthquake, and they can't sleep, they can't eat, they are traumatized. Every little sound or noise they hear, they start panicking, they're scared, they have these things in their mind. So he decided to do this party for the kids. And he was expecting 300, so there were 300 more came. It was 600 children came, you know, to come and have this calm, this peaceful time. And I just want to say a big thank you to him, because he's over there, he gives everything to take care of those kids. And, you know, children, they are so fragile, and after going through this trauma, you know, he tries a way before they go back to school to help them. And I was crying, but not crying, not tears of disappointment, of sadness. I was in joy. I was so happy. I was crying. I was saying, thank you, God, because you have put this man among those kids, and he knows them. He knows what they need. So, guys, you see, all our fundraising, this is the result we are seeing. This is the result we want to keep going, doing this fundraising, doing all this, what we can do to help those kids. So, voilà, je disais en anglais que hier, ma mère spirituelle, mon pasteur Esther, la prophétesse Esther Abadé, on a mis des photos, des vidéos sur Facebook. Je dois les partager dans mon Instagram aussi pour vous dire que voici les résultats de tous ces efforts qu'on a fait, demander de l'aide, faire des fundraising, faire des demandes de fonds pour envoyer à ses enfants. Et ce pasteur qui s'appelle Samir Mathieu, qui est au Cap Haïtien, il a vu que les enfants, ils avaient du mal à dormir la nuit. Il a vu que les enfants, chaque petit bruit qu'ils entendaient, ils avaient peur. Vous savez qu'ils vivaient dans la crainte, dans la peur. Il voyait que ça n'allait pas. Et l'école va reprendre bientôt là-bas. Et ses enfants sont encore dans la peur après le tremblement qu'il y a eu. Et ils n'arrivent pas à dormir. Ils font des cauchemars la nuit. Alors, c'est pour ça qu'il a décidé, avec le groupe, la team, d'organiser ce festival pour eux. Pendant quelques jours, une retraite pour ces enfants. Excusez-moi du bruit, je suis dans la rue. Donc, il y a des travaux. So, sorry for the noise, guys. I'm on the street, there is some building work. So, don't worry about the noise. So, guys, yeah. So, je disais que il a remarqué que ces enfants, ils avaient besoin de quelque chose pour sortir de leur peur. Et c'est ce qu'il a fait.
Il a eu cette brillante idée de faire une petite partie pour eux pendant quelques jours, pour qu'ils oublient la frustration, pour qu'ils oublient cet esprit de peur, qu'ils oublient qu'ils peuvent dormir la nuit, qu'ils peuvent manger, qu'ils peuvent s'amuser sans avoir peur. Parce que les enfants qui restent dans la peur, qui sont dans le trauma, ça a du mal à se concentrer, ça a du mal à avancer. Et je voulais vraiment lui dire un grand merci à lui, spécialement, qui est là-bas, qui est en plein terrain, qui est en train de tout faire avec son équipe. Vraiment, je voulais lui dire un grand merci. Et je voulais vous dire aussi à tous mes fans, tous les gens qui sont là, qui ont contribué à ce que ces enfants puissent avoir cette joie. Vous entendez les enfants quand ils chantent, vous entendez la joie dans leur voix, la douceur dans leur voix, l'amour dans leur voix. Vous entendez tout ça. Je vous dis un grand merci à vous tous. C'est pas fini. On continue à faire ce travail. On est toujours dans le support. On continue à faire des demandes. On continue à mettre des photos. On continue à faire des vidéos pour que vous compreniez et vous montrer tout ce qu'on fait avec les dons jusqu'à maintenant qu'on a reçus. Et vraiment, gars, je vous remercie beaucoup, 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 beaucoup pour tout ce que vous faites et pour tout ce que vous continuez à faire. C'est pas encore fini, on n'a toujours pas reçu, on n'a pas encore atteint notre objectif. Il y a encore beaucoup encore à faire et je sais que vous avez été d'une grande aide et vous continuerez à être une grande aide parce que il y a du boulot, il y a vraiment du boulot à faire. Donc, je vais l'écrire tout à l'heure, après la vidéo, que vous pouvez aller dans le PayPal de Walk of Victory 3, avec le chiffre 3, à gmail.com. Ceux qui veulent donner une petite donation sur PayPal, voilà, c'est Walk of Victory 3 à gmail.com. Voilà. Je vais écrire tout ça après la vidéo. Pour ce que vous voulez mettre, mettez-y. Même si vous mettez un pound, un euro, un dollar, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Même si vous mettez 5 euros, 5 livres, 5 dollars, 5 pesos, c'est quelque chose. Ce que vous, là où votre main peut arriver, hein, pour ces enfants. J'avais mis aussi avant ça des photos des adultes aussi. Hein? J'avais mis des photos des adultes aussi qui étaient en train de prendre les aides qu'on a envoyées. Il y en a plein d'entre vous qui me disent, vous m'avez écrit plusieurs fois, vous m'avez dit, est-ce qu'on peut t'envoyer des toiletteries, des habits, des produits non périssables, des nourritures non périssables. Guys, je vous en conjure, pour l'instant, je ne peux pas. Je ne peux pas prendre tout ce que vous me dites. C'est vraiment gentil de votre part, mais pour l'instant, je ne peux pas. D'une, pourquoi je ne peux pas? Parce que j'ai pas un storage pour mettre ça. Et si je dois prendre un storage, il faudrait que je la loue tous les mois. Et la plupart des storages sont entre 25 et 30 livres. Ou même plus, ça dépend de la taille. Je pense que le choix est vite fait. Déjà, on n'a pas encore de compagnie vraiment qui nous font des deals pour qu'on puisse envoyer il faut que vous comptez la douane. Quand on va envoyer ça là-bas, tout ça, combien ça va nous coûter. C'est tout un truc. C'est compliqué pour l'instant.
pour Haïti, en tout cas, peut-être dans les autres pays anglophones, ça se passe bien. Mais pour Haïti, je me rappelle en 2010, c'était prise de tête. Même en 2014, c'était prise de tête. Alors, ce que j'aurais besoin, c'est des fonds. Donc, vous pouvez aller, parce qu'ils ont tout là-bas. Ils peuvent acheter ça là-bas et ils savent mieux ce qu'ils ont besoin avec les fonds qu'on reçoit. Ils vont utiliser ça pour acheter là-bas. C'est mieux, je trouve. C'est mieux pour l'instant parce que un storage, moi, cet agent de storage là, je préfère leur envoyer ça au lieu de, comment on appelle ça, au lieu de mettre ça dans des dans un truc de que je paye tous les mois. Non, je préfère mettre ça. Je préfère leur envoyer ça à eux, cet argent-là. Et de deux, la douane, c'est cher. Ici, on n'a pas de direct d'envoi. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est pour ça, pour l'instant, je vous dis en gros pourquoi je ne peux pas prendre les choses maintenant. Mais par la grâce de Dieu, on est en train de travailler sur ça pour le futur. Pour qu'on puisse envoyer ça, pour qu'on puisse organiser. Nous sommes en train d'organiser ça. Mais pour l'instant, on ne peut pas. Je l'ai essayé, je l'ai fait. Ça m'a coûté un bras et je ne peux plus me permettre de faire ça maintenant. Voilà. So guys, I was saying in French that thank you. A big thank you to all of you guys who support us, who support us financially, who been there, who answer to our need, a big thank you. We're still far from the target. We're still far from our goal because, thank you. We're still far from our goal because we haven't achieved what the target is. So please don't give up, still contributing, please. We need you, we still need you. So those videos we sent yesterday to show you that we're doing something. We are not just there wasting your time, wasting your money. We are doing something. And those pictures we have sent to show you that the kids need us, need us. We have this chance to be in Europe. We have this chance to take care of our kids, our own, and they don't need anything. By God's grace, and I thank God, and we're still doing, those ones back home, they still need help. They still need help. So that's why I was saying that the work is not done yet. So we still don't need your help, guys. So I was saying in French that many of you have called me or you have inboxed me and asked me, yeah, you wanted to send some goods, like toiletry, like food, clothes, here in UK. Guys, don't forget I'm in UK. It's not in America. In America or in France or in Brazil or in Chile, they can get access easily to IT. But here, it's more complicated. It's more complicated. We don't have a direct flight. And if I take some goods here, like toiletry, like food, like cloth, I don't have a storage. I don't have a storage. And if I have to take a storage, I have to hide it. Every month, it will become like $40, $50 every month. So this money, I prefer to put it, to send it back home to help those kids. And $40, $50 will give them food, will give them medicine, will give them clothes, you know? So guys, that's what I want to say. That's why we're working on this matter. Don't worry, I brought this matter. And we had a meeting with the embassy, the Asian embassy. So we're working on this matter. And we're trying to, it's still fresh. Now we are a new team, and we are organizing ourselves. So it never happened before, and this is something. It come
it comes. So we have to work with it. We have to work on it. So we cannot do things just like that. We have to organize. This is, all of this, this is an organization. So that's what we're working on. So that's why I say at the moment, I cannot receive those things. So if you guys really want to help, seriously, please, I need your money. I need your contribution financially at the moment. This is what I need, to be honest. Hello, Kaku, Steven, how are you, Peter? Hello, Richard. Hello, Souffle de Vie. Merci. Thank you for joining me. Thank you, guys. So this is what I want to say. So, guys, if you want to send something to say for IT, and precisely this is for IT, you can go, those ones who have PayPal, you can go to the Walk of Victory PayPal. It's walkofvictory3@gmail.com. I will write it down on top. I'm supposed to do it, and I done the live and I forgot to put it, to be honest. So I'm sorry about that. So just to tell you that I will send, and there is as well another fund I create as well. So I will put the link as well for the fund, so you can click on it, whatever you want to put, put. Okay? And I have the Walk of Victory bank account, IBAN, so I will put everything on top, right, just after this slide. So thanks, guys. Thank you so much. Thank you so much. When I saw the joy, when I hear the voice of those angels singing, and I saw the pretty face, and I saw the happiness, and I saw the joy in their faces, I say, oh God, thank you. I was crying like a baby. I told Pastor Samuel, who is there with them, taking care of them, is there with them all the time. And I was telling him, thank you so much for this hard work you're doing, you and your wife and your family. God will reward you, because it's not easy. It's not easy. So this is why he's been doing for so many years. And thank you as well to Jennifer. Thank you for all the team in UK. And we still keep going. We still keep going to do this amazing job. Like we say, l'union fait la force. So when we are all come together, that's what makes us strong. So this is what I wanted to say. Guys, please, I'm still waiting for your donation. So don't forget us. You can inbox me. If you want to know more, you can go to my to the phone. I'm going to put the email. I'm going to put the phone. So you can just click on it and you put whatever you want to put. It's fine. And I will put as well the IBAN of Walk of Victory. So you can do, you have three different ways to donate. So thank you so much. God bless you. Happy blessed Friday. Happy blessed weekend. And enjoy your weekend. And I will catch with you very soon. So merci beaucoup à vous tous. Comme j'ai dit, je vais mettre les trois moyens de faire vos dons. Que ce soit par notre association Walk of Victory 3@gmail.com. Je vais vous envoyer le IBAN si vous voulez payer directement sur le compte, le IBAN, je vous mets ça. Ou bien vous allez dans un autre truc que j'ai créé qui s'appelle GoFund Donation. So, celui-là, je pense à partir de 20 livres, 20 euros. So, vous choisissez votre mode de paiement, vous choisissez ce que vous voulez faire. Si vous voulez payer par PayPal, vous payez par PayPal. Si vous voulez payer par IBAN, vous payez par IBAN.
si vous voulez aller dans le site de donation, vous pouvez faire. Donc, vous avez trois moyens pour qu'on continue à mettre ce sourire-là, pour qu'on continue à mettre cette joie-là dans le visage de ces enfants. Ils ont besoin de nous. Parce que sans nous, ils seront... C'est nous, c'est nos aides, nos supports de partout, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Amérique, que ce soit en France, que ce soit dans le monde entier, en Chili, au Brésil, au Canada, en Allemagne. So, c'est nous tous, nous venons tous ensemble. Et même ceux qui sont sur place aussi, on s'est tous mis ensemble pour faire ce beau travail. Continuons, s'il vous plaît. J'ai déjà mis les photos des adultes déjà qui sont venus prendre les choses qu'on a fait pour eux. Ils sont déjà venus prendre ça. Là, c'était les photos des enfants, les vidéos des enfants. Je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Que Dieu vous garde, vous et votre famille. Sachez tout ce que vous faites. C'est Dieu qui va vous rendre ça. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime très fort. Prenez soin de vous. C'était Ruth Diamond. Passez un très bon vendredi, un très bon week-end et à très très bientôt. Bisous, bisous. Ciao, ciao, guys. Love you.